Alors bonjour. Bonjour. Je m'appelle. Adieu aux étoiles. Oui. Adieu aux étoiles. Adieu aux étoiles. Voilà. Donc, c'est le titre de la pièce. Oui, tout à fait. Alors. J'ai écrit la pièce avec mes phalanges, mes 10 doigts en fait, et sur un ordinateur. Ouais. Oui, c'est pratique. Oui. Et comment vous êtes connus, les palais, comment c'est créé la pièce? Alors. Ben, nous, on a joué ensemble tous les quatre dans les salles d'attente, une précédente pièce. Et puis, on a fait un Avignon tous les quatre et ça a été infernal. Oui. Du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas réitérer l'expérience et voilà, et se mettre en galère tous les quatre, encore une fois. Mm-hmm. Non, c'est... Vous avez saisi que c'est pas vrai ce que... Non, on s'entend très bien. Attends. Oui, mais l'idée du sujet, en fait, comment ça vous fait ? Alors là, je ne peux pas vous dire comment l'idée du sujet est venue. Si, à la base, je voulais écrire une pièce qui soit facile à monter, mmh. avec quatre comédiennes et comédiens, mmh. et un décor minimaliste. Mmh. Et puis rapidement, je me suis laissé entraîner dans de folles aventures dans ma tête, et c'est devenu très absurde. Mais à la base, je voulais que ce soit simple à monter. Mmh. Respiration. Et ça a été. Non, je vois Gabriel, ça a été. Ça a été simple. Ça a été simple à monter. Ça a été très simple de faire avec la schizophrénie de Zach. Non. Et vous allez là poursuivre après un peu. Oui, on a trois showcases à l'Olympia. Mmh. On a deux zéniths. Deux zéniths. Accord, on est à l'Arena. Accord, c'est sûr, tu continues. Oui, oui, c'est sûr. T'as dit quoi quand je rêve? Ça, c'est quand tu dors. Oui, mais elle a pas précisé si c'était dans les rêves ou dans la réalité. dans la réalité, vous voulez dire? Dans la réalité. Dans la réalité. Trois showcases à la grande comédie. on va reprendre la pièce à la rentrée en septembre, ici. Et puis, dans un second temps, on essaiera de trouver d'autres salles un peu plus. Avec un plateau un peu plus grand, parce qu'on est rapidement à l'étroit dans ce décor. L'idée, c'était vraiment de voir. Non, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de la monter avec l'équipe. Ça a été fait en 2 mois tout ce travail. Et je tiens à le signaler parce que ce soit pour les comédiens ou toutes les équipes qu'il y a eu autour, que ce soit la musique, la scénographe, la lumière, les costumes, tout a été calé en 2 mois. Donc voilà, ça a voulu parce que ça joue vite et bien. Donc on a joué vite et bien. Et après, on va jouer plus vite et encore mieux et encore plus loin. So far away, on dit dans le Connecticut. Évidemment. Ça rigole beaucoup hein, dans la salle, le public. Ah, vous avez trouvé que ça rigolait beaucoup? Oui. Ah, bah, si vous avez trouvé que ça rigolait beaucoup, alors. C'est que ça rigolait. J'aurais pensé. Ouais. Est-ce que vous allez jouer à Avignon? À Avignon? Et Fabienne non. qui va. Ah, pas cette année, je vais venir avec vous. Mais... Ah, allez, voilà. Fabienne. Alors, Fabienne. Là, je me mets là sur la malle où était enfermé Zach. Oui. Alors, moi, j'ai franchement apprécié. D'abord, j'ai rigolé, j'étais devant, donc je ne m'empêche pas de rire quand j'ai envie de rire. Non, j'ai trouvé ça très sympa. Vous avez super bien joué tous. Et alors, le dénouement, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Franchement, je ne m'attendais pas à cette fin. J'ai trouvé que c'était très bien mené, très bien écrit. Et il n'y a pas de latence, en fait, il n'y a pas de temps mort. Puis alors moi qui suis très très bon public, je ne sais pas si vous m'avez entendu rire, j'ai très peu baillé, vous ne m'avez pas laissé le temps. Et je voulais vous féliciter, franchement c'était génial, tous les quatre vous êtes vraiment de super bons comédiens. Et je voulais féliciter aussi cette jeune metteur en scène qui m'a vraiment impressionnée, parce que ce n'était pas évident sur une petite scène comme ça. Et donc, bravo à vous cinq. Voilà, j'ai apprécié franchement cette pièce. Pourtant, il est très tard et on est tous très fatigués, on a tous très faim. Mais on a toujours mais très c'est génial, c'était génial. Bravo. On est fatigués, mais éveillés. Waouh, c'est trop gentil ça. Fatiguée, elle est éveillée. Pas gentille, hein. Non, mais c'est bon, Brigitte, bon, c'est sympa. Merci. très éveillé. C'était très bien. Voilà. Bah, merci infiniment. C'est très, très sympa. Et puis, adieu aux étoiles. C'est ça, adieu aux étoiles. Mmh. Moi, je dis aux gens, effectivement, de venir voir cette pièce. J'espère que vous allez la jouer
dans d'autres théâtres, ou peut-être encore ici, ou peut-être même dans une salle plus grande. En tous les cas, si vous la jouez, je peux vous assurer que je reviendrai la voir et j'en parlerai effectivement avec le cœur et avec ce regard vers les étoiles que vous êtes. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.